Eh bien, salut à tous les amis, Cédric Cis, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va au top du top comme d'habitude. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo sapeur-pompier de Paris dans un nouveau centre de secours, comme vous le voyez. Et là, il y a pas mal de véhicules, je vais vous les présenter juste après. Sauf que je ne suis pas tout seul aujourd'hui, il y a le reste de la garde qui est avec moi, mais qui est en train de faire je ne sais quoi, je vois aucun personnel. Donc aujourd'hui on est bloqué VSAV1, avant de continuer quoi que ce soit n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien louper et de venir me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Donc je vais vous montrer un petit peu la remise. Hop, donc c'est un centre de secours anglais à la base hein, qui fait très européen, regardez là-bas il y a quelqu'un, qui fait très européen, du coup voilà pourquoi on l'a. On a ici un grimpe, enfin un V-grimpe, un VPS, un FPTL D12, un PS et deux VSAV. Et derrière, il y a les bâtiments du secours médical, enfin de l'antenne médicale de la BSPP. Donc il y a une AR qui est stationnée là et une SPVL. Et puis voilà. Je sais pas où est le reste de la garde. On va essayer d'aller les retrouver. Cette caserne, elle est vraiment immense. Hein. Tac. Alors j'ai vu qu'il y en avait un qui était passé par là-bas. Je sais pas trop où ils sont. Alors. Là, ici, c'est du stockage, d'archives. Hein, c'est pas, ça nous concerne pas tellement. Vous avez vu les remises, hein, c'est énorme. Alors, on est à la caserne Beach, hein, pour information. Et nous, on est affecté au VSAV 1. Du coup, VSAV 2 qui est en premier départ. Alors, je vais chercher les gars. Je sais pas trop où ils sont. Ouais, les gars. Vous êtes là? Ouais. Eh ben, dites bonjour au reportage. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est avec OVSAV, Kiro et Pinguin. Pinguin qui va vous présenter les scripts que l'on va utiliser aujourd'hui. Donc, collier cervical ainsi que la chaise. Je te laisse expliquer brièvement si tu veux en parler. Eh ben, écoute, en gros, pour la chaise, donc c'est une chaise portoire d'évacuation. Donc, c'est un outil qui va nous permettre... Donc de transporter des victimes donc d'un endroit vers le VSAV ou vers un poste de secours quelconque. Donc voilà, il y a juste à mettre la personne sur la chaise et donc les pompiers peuvent prendre la chaise et transporter la victime. Et puis pour le collier cervical, c'est un outil qu'on met aux personnes qui sont traumatisées, sur lesquelles on suspecte un trauma du rachis. Donc principalement pour immobiliser au niveau de la tête et puis que garder l'axe tête-poutron pour pas créer d'autres lésions en cas de choc traumatique. Eh bien, impeccable. Les amis, sachez que ces scripts sont disponibles à la vente sur son site internet qui sera en description. Un grand merci à toi d'être là aujourd'hui pour en parler. Et je vous propose que on continue de vaquer à nos occupations. Et si jamais ça part, on est ensemble au VSAV, donc on devrait se retrouver. Moi, je vais aller faire une petite visite de la caserne pour que tout le monde puisse bien voir à quoi elle ressemble. Et puis, je vous dis à tout de suite, les gars. Très bien. Ça marche. Allez. Du coup, ici, vous avez vu, il y a un hall. Avec un escalier, il y a plein de pièces. Donc là, c'est encore des bureaux. Là, ce sont des casiers pour les tenues de feu. Ici, je crois que c'est le service habillement qui a ça. Là, c'est quoi? Là, c'est l'extérieur. Donc voilà ce que ça donne de l'extérieur avec toutes les remises qui donnent sur la sortie. Et donc nous, aujourd'hui, je vous ai dit qu'on est au VSAV 2 qui est en premier départ. C'est celui-ci. Le VSAV 152 Beach. Ok, départ VSAV. Allez, ça part. Ok. Allez-y, j'arrive. Je prends le ticket de départ. Tac. Donc, on part. 14e arrondissement. Ok. Ok, ça marche. Allez. On part sur quoi? On va dans 14e arrondissement. Qui conduit, du coup? Comme tu veux. 14e. Bah, vas-y. Ouais, dans le 14e arrondissement, plateau okay. De sport sur plage. Ok. Donc, apparemment, on a comme indication rue de l'Ouest, quand vous voulez. Et une victime de sexe masculin, hémorragie externe, membre sup, incapacité à se lever. C'est bien pris. Alors, je vais trouver l'accès. Rue de l'Ouest. Rue de l'Hôtel, rue de la Jetée, rue de l'Ouest, d'accord. Alors. Arrivé sur zone, je vais te guider. Ok, ça marche bien.
Golf 4 de VSAV-152 Beach qui prend départ. Ah les Dodan ils sont violents. Oh. Ouais. Tu feras gaffe, t'as des warnings. Ouais. Sinon. Pense fort aux flèches et ça va les retirer. Ouais. Alors, tac tac, 13ème. Putain, le plein du VSAV il a pas été fait en plus. Ah ouais? Bah, on s'arrêtera en transport, hein, ou au retour, ouais. Si on a le temps. Non, ça va, non, j'ai assez pour faire le bac. Oh bah, nickel. Donc, une personne est hémorragie, membre sup. D'accord. Okay. On a un moyen salut qui est en vue ou pas? On a aucune information, juste incapacité à se lever. C'est tout ce que j'ai. Là, tu vas aller tout droit. Tu vas aller tout droit. Et ce sera, je vais te dire. On a un accès. C'est rue de l'Ouest. C'est toujours tout droit. Et ce sera la prochaine à droite. Ok. Vas-y, va tout droit. Là, on arrive sur la promenade. Alors, une personne... C'est bien calme. Alors. Ouais. Pas grand monde. Ouais. Sur le terrain de sport. Alors, je regarde le ticket, attends. Plateau de sport sur plage. Ok. Ah, c'est au sol, là. Où ça? Là, au milieu du terrain de sport. Ok, d'accord. Golf 4 du VSAV 152 Beach qui se présente sur intervention. Ok, bah les gars, allez, on prend le matos de premier secours. Au secours! Monsieur, bonjour. Monsieur, c'est les pompiers. D'accord. Qu'est-ce qui vous arrive là, monsieur? J'ai un poids qui m'est tombé sur le bras, là, le bras gauche. Ok, sur le bras gauche, d'accord. Ok, bougez pas. Bougez pas. Ah, j'ai mal! J'ai mal! Ah, ils sont là-bas, d'accord, ok. Ouais, donc une victime sexe masculin qui a pris un poids sur le bras gauche. Monsieur, vous sentez quand je vous touche au bout des doigts? Non. Non? Non, je sens pas. D'accord, ok. Ça fait mal. Directement incompressif ou pas? Ouais, vas-y, on va. C'est à quel endroit, monsieur, au bras là? Je sais pas. D'accord. Je vois flou. Ok, ça saigne. J'ai l'impression que c'est sous l'aisselle en fait là. Il a dû se faire comprimer par l'haltère et ça a un peu arraché. Okay. Tu me dis si c'est une plaie hémorragique, pose d'un collier, d'un israélien. Ok. Je vais passer un message vite fait. Tu peux me dire quel âge il a le monsieur? Monsieur, vous avez quel âge? Je sais plus. Ok. Sais plus. Ok. Golf 4 de VSAV 152 Biche pour intervention à adresse indiquée en présence d'un homme âge non identifié, environ la vingtaine, qui présente une plaie hémorragique au niveau de l'aisselle gauche en cours de bilan par le VSAV 152 Biche. Ok. On prend les constantes du monsieur aussi en même temps après. Une fois qu'on aura pris l'écolier du coup, l'israélien. Les gars, on va poser un collier. Ouais. Est-ce qu'on peut pas faire de la place là et déplacer ça là? Non, ah, je vais bouger un peu. J'ai essayé, mais c'est un peu. Ok. Moi, donc, ouais, on va faire. Tu me fais un point de compression. Kiro, le monsieur, ouais. Il va s'allonger sur le dos. Le poids, il roule sur moi. Monsieur. Monsieur, vous allez vous mettre sur le dos et on va passer un collier là. Et on va vous faire un pansement qui va permettre de stopper l'hémorragie. Mais d'accord, on va Allez, monsieur. On va aider monsieur. Vas-y, je te laisse lui expliquer comment faire. Et moi, je vais chercher l'attel membre inférieur parce qu'on va faire une attel en Z. Ok, ça marche. Ok. Eh ben, les gars, bonne petite inter là, le premier VSAV de la journée. Il est plutôt top. Hein.
Impeccable, j'ai pris l'attel, membre supérieur, membre inférieur, pardon. Ok. Bon, ok les gars, on pose un collier. Vas-y. Tu poses le collier, tu glisses en dessous. Ouais. Hop là. Hop. Tu glisses bien en dessous tout doucement. Ok, parfait. Vas-y, maintenant tu me mets un israélien là. Et je veux des constantes rapides. Savoir si j'ai besoin d'une AR ou pas. Ok, ça marche. Tac. Alors, voyons voir. Et tu me le sers bien. Aux israéliens. Comme ça, on. Ouais, on perd pas de temps. Sous le bras. Et comme ça, il sera efficace dès le dès la première pause. Ok. Bon. Tu me prends. Je mets l'oxymètre de pouls, etc. Tu me prends les tensions, Kiro. Monsieur, vous m'entendez ouais. Là oh, je vous entends. Alors là, ce qui se passe, c'est que nous, on vient de vous poser un pansement qui va comprimer la plaie pour éviter que ça continue de saigner. Ce qu'on va faire, c'est que là, nous, on va appeler la coordination médicale et on va vous emmener vers un centre hospitalier. C'est bon pour vous ? Ouais, vous pouvez prendre mon téléphone sur le banc là et appeler ma famille, s'il vous plaît. Alors ça, on verra ça dans un second temps, une fois qu'on sera dans l'ambulance. Là, la priorité, c'est vous. Mais on va prendre votre téléphone et les contacter, vous inquiétez pas. Ok, les gars. Ouais. 97 en saturation, donc tout en blanc. Ok, d'accord. En tension, qu'est-ce qu'on a ? Kiro, qu'est-ce qu'on a en tension ? Moi j'arrive pas à lire la tension là. Fais voir. Ah, le tensiomètre. 126-83. Super. Impeccable, allez. On va relever le monsieur tout doucement. Ok. On va commencer par s'asseoir et ensuite debout et sur la chaise. C'est bon pour vous ? Nickel. Ok, parfait monsieur. Vous allez marcher tranquillement. Ok. Allez, on va aller s'asseoir sur la chaise là. Vous assurez bien qu'il nous fasse pas un petit malaise. Monsieur, vous venez souvent faire du sport ici ? Je viens ouais tous les mardis, mercredi, vendredi. Ok. Ah ouais, quasiment tous les jours quoi. Ah ouais ouais. Vous avez pris mon téléphone ? Oui c'est bon, on a pris votre téléphone. Ok, bah allez, je vais passer, je vais appeler la coordination médicale. Je vous laisse conditionner le monsieur. Oula. Coordination médicale de SAV 152 Beach qui transporte un homme de 25 ans qui a une hémorragie contrôlée, aisselle gauche. Message terminé pour le SAV 152 Beach. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? Hop, c'est bon. Non, j'ai juste le sac de... Ok, bah allez. Y en a un qui conduit et le servant qui monte avec lui. Ça marche. Allez, messieurs. C'est parti. On évacue vers... Alors, on va vers le CH secteur. Donc ce sera tout simplement... On va aller... Je réfléchis. C'est la pitié. Eh ben allez go, tranquille sur la route. Hein. Ouais, on va tranquille. On va pas se foutre en l'air. Kiro, t'en profites pour appeler la famille de monsieur ? Ouais. Mais parfait. Bon. Et les amis, premier départ rigueur. Avec le VSAV. Qu'est-ce que tu nous dis, Penguin ? Non, je te demandais juste si t'avais eu la rigueur. Ouais, c'est bon, hein, TNM, CH secteur, hein. Ils nous ont demandé si on voulait une AR, mais enfin, ils nous ont pas demandé si on voulait une AR du coup, mais ça va, genre... hémorragie contrôlée, de toute façon. Ouais, ça va, on l'a stoppé rapide. Hein. Ça va, monsieur, derrière ? Ça bouge pas trop ? Non, ça va, ça commence un peu à aller mieux. Eh, s'il a envie de vomir, tu lui donnes un Vomix, un Kiro. Hein. Ouais, ouais, t'inquiète. Ouais, qu'est-ce qu'ils bricolent, ils sont sérieux là ? C'est comme s'ils nous voyaient pas arriver. Ah ouais, niveau fuel, on est bien là niveau essence, non ? J'ai prévu famille, monsieur, ils seront à l'hôpital, d'accord ? On est pas très mal, ça va. Ouais, on ira faire le complément après. Pas de soucis. Regarde s'il y a la carte dans le portail. Voilà. J'ai envie de vomir, j'ai envie de vomir. Voilà. Monsieur le sœur. Oh là, ça va, allez, ça va. Heureusement que je suis pas derrière parce que moi j'amorce hein, sinon.
bientôt arriver. Eh, on arrive à l'hôpital là, on arrive à l'hôpital. Essaye de faire doucement. T'as ramulé ? Ah, t'aurais pu prendre à droite, hein. Oula, oula, oula. Oh. On a accroché ? Bah, y'a un mec qui m'a fait. Ah, bah, on verra ça au service. Vas-y, prends à droite. J'ai senti une petite secousse, mais ça. C'est fait accrocher, ouais. On est arrivé, monsieur. Ok, bon. Les gars, je vous laisse gérer la victime. Vous faites les trans. Je vais regarder le SAV, ce qu'il a. Ça marche. VSAV Golf 4 de VSAV 152 Beach qui se présente au centre hospitalier La Pitié. Message terminé. Ouais, bah c'est bon, hein. C'est bon ? Eh, regarde. La bagnole, elle nous a bouffé tout le côté du VSAV. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a foutu, là ? Ah, tu vas être bon pour faire un bon petit compte rendu là ? Ah non, mais attends, mais c'est l'autre qui m'a foncé dedans. Il y a pas l'air de toutes les voies, il m'a éclaté. Ah, ça. Bon, bah, allez, les gars, on. Retour feu, hein, c'est parti. Golf 4 du VSAV 152 Beach qui fait retour disponible sur son centre de secours. On rentre pas au bleu, hein. Non, non, non. Ouais, y'a le. Y a le... Faut prendre le VSAV de réserve. Y'a le fourgon et le V1 qui ont décalé, donc on est susceptible de repartir, hein. Ok, ouais. Un Kiro. Ouais. Il y a le fourgon et le V1 qui sont dehors, donc si ça repart, c'est pour nous. Hein. Ok. Et du coup, on va voir si on prend le VSAV de réserve ou pas, vu que celui-là il a bien tapé. Bah, étant donné que l'autre il est sorti, je pense que. Bah, je te laisse aller voir ça avec le garde remise, là, s'il faut aller chercher un vecteur à droite ou à gauche. Et tu me tiens au jus. Parce que là, ouais, il est quand même bien cartonné derrière. Bon, on repart pas avec ça, déjà la porte arrière, on peut plus l'ouvrir. Hein. Ouais, ouais, bah s'il faut, on va chercher un VSAV. Hein. Ouais, ouais, ouais. Sinon, on prend le PS. Hein. Y a le PS. Tu vas voir, la porte arrière, elle ouvre plus. Va derrière. Ah, ouais, d'accord. Ah, ouais, bah vas-y, va voir avec le garde remise. Et sinon, on passe en PS modulaire et on prend le PS. Ok, ça marche. Pas de précise. Ouais. Du coup, on a eu le garde remise, on n'a pas d'autres vecteurs, donc on part au PS. Ok, donc si ça bip, si ça sonne au V1, les gars. Je pensais qu'on part bien au PS. Ouais, ça marche. Okay. Ok. Eh ben ça décale. Allez les gars, nouveau départ. Hop. Ah, je suis pas encore très habitué à cette caserne là. Tac, alors on va prendre le ticket de départ, je prends ma petite radio. Alors on part pour le 7ème arrondissement, avenue François Arago, arrêt de bus, douleur membre supre, fourmillement thoracique. Oh ça pue ça. Ok, tout le monde est là? Ouais, on part où? Ah, on a un problème avec la sirène. Bah on n'utilisera pas le deux-ton, hein. Ouais, ça marche. On part 7ème arrondissement, avenue François Arago, dans un arrêt de bus. Ok. Pour une victime sexe masculin. Ok, d'ac. Donc, membre sup. Ça marche. Alors, François Arago, 7ème, ouais, c'est ça. Donc, membre sup, gauche, fourmillement thoracique. Tu te gareras sur la voie bus, hein. Alors, on est déjà dans la rue là, alors. Poivre. Alors, François Arago, ouais, donc en arrêt de bus. Un arrêt de bus, je réfléchis, où est-ce qu'il y a des arrêts de bus ici? Ouais, les Dodan ici, ils sont chauds, hein. Ah là, il y a un arrêt de bus à gauche. Ah, il y a quelqu'un là. Demi-tour, ouais, vas-y, fais demi-tour. Vas-y, halte. Monsieur, bonjour. Oh là. Monsieur, bonjour. 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 C'est les pompiers. Bonjour. C'est vous qui nous avez appelé. Monsieur. Ouais, ouais, c'est moi. Ok. C'est moi. Alors, qu'est-ce qui vous arrive là? J'ai.
J'ai des douleurs au niveau du bras gauche là, là. Ok. Ici, là. Ouais. Et ça me lance des, ça me fait comme des fourmis. Ok. Au niveau du torse. Ok. D'accord. Alors les gars, dans la cellule du PS, de suite, okay. Allongé. Et vous me faites des constantes rapides. Ok. Ouais. Si vous allez nous suivre, on va vous installer tranquillement à l'arrière. J'aurai les portes. Ouais, vas-y. Monsieur, est-ce que vous avez des antécédents médicaux? Oui. J'ai déjà fait un AVC. D'accord. Il y a combien de temps? Il y a un mois. Est-ce que il y a un mois, d'accord. Est-ce que dans votre famille il y a des antécédents cardiaques? Oui, mon grand-père et mon père et sont morts d'un arrêt cardiaque. D'accord. Allez-y, monsieur. Installez-vous dans dans le véhicule là, montez. Ok. Allez. Je veux un bilan. Ok. Donc vous me prenez des constantes. Golf 4 du PS 299 Beach pour intervention à adresse confirmée. Un homme présentant une douleur thoracique en cours de bilan par le PS 299 Beach. Ok les gars, donc deuxième départ secours à personne de la journée. Là vous avez vu un homme qui a une douleur tôt tout simplement sur voie publique. Donc il est en cours de bilan dans le PS étant donné qu'on a cartonné le V1. Ok. Alors. Et on va prendre une tension. Vous l'avez déjà fait, c'est comme chez le médecin, ça sert un petit peu sinon là. Monsieur, vous m'avez dit que vous avez eu des antécédents médicaux dans votre famille? Des antécédents cardiaques? Oui, c'est ça. D'accord, c'était quoi comme antécédent? Mon père, il a fait une crise cardiaque. D'accord. Et mon grand-père, je sais plus. D'accord, ok. Et ça fait combien de temps que vous avez mal là? Là, ça m'a pris il y a 15 minutes. Il y a 15 donc au moment où vous nous avez appelé? Oui, tout à fait. Et les fourmillements dans le bras, ça arrive en même temps ou après? Alors, ça a commencé par le bras et ensuite ça a passé par le niveau de la poitrine. Ok, on a des constantes? Alors, j'ai 96 sur l'O2, donc sans saturation, sans ambiant. J'ai un pouls qui est un peu élevé, j'ai 110 au repos. Ouais. Donc régulier, bien frappé, voire même très frappé. Et ok. J'ai une tension à 15,9. Ok, ça marche. Symétrique la tension? Tension symétrique. Le pouls symétrique aussi? Pouls symétrique. Ok, ça marche. En radial. Ok. Coordination médicale de PS 299 Beach qui transporte un homme, la vingtaine, présentant une douleur thoracique. Avec fourmillement dans le bras gauche. Message terminé. Ouais, je vais pas demander d'AR. Hop, ouais, donc pas d'AR. On roule. CH la pitié rapidement. D'accord, ça marche. Et ben on roule pitié alors. Allez go. Allez. Golf 4 de PS 299 Beach qui transporte un homme sur le centre hospitalier La Pitié Salpêtrière. Parlez. Allez, on n'oublie pas de fermer les. Ouais, c'est que je ferme. Fermer les portes hein. Voilà. Allez feu, on peut y aller. Tac, donc on évite de l'arracher le PS, hein, ça évitera de devoir le changer. Donc hôpital pitié comme tout à l'heure. Ouais. Mais bon, ils nous engagent pas derrière aujourd'hui, apparemment ils ont pas envie d'engager. On va se démerder, hein. Bah oui. Hein. Eh ben nickel. Quoi, c'est le médecin qui décide de pas envoyer d'air? De quoi? C'est le médecin que t'as vu qui a décidé de pas envoyer d'air? Ah, c'est la coordination médicale, hein. J'ai dit que je transportais un homme, ils ont pas engagé de vecteur, donc moi je transporte. Hein. Ok, ouais. S'ils me disent rien, c'est qu'il y a rien. Ouais, je savais pas si t'avais dit ça. Ok. Alors cette fois je me trompe pas, je sais où il est le sas. Yes. Ça va Kiro derrière? Ouais, ça va nickel. Impeccable.
une galère. Ah ouais, hein. Ça change du VSAV, hein. Vas-y, tu peux couper beau, les bleus. Hein. Allez. Les gars, on évite de trop faire mâcher monsieur, donc s'il y a un brancard, on le met sur le brancard à arriver là-bas. Ok, ça marche, je pense, ça. C'est bon pour vous? Ouais, du coup on a fait les transmissions à l'IAO et pas en charge. Eh ben allez, feu. Y'a le feu 4 de PS299 Beach qui fait retour disponible sur son CI. Ouais, y'a le PC de compagnie qui nous a déposé le VSAV de près. Ok. Donc il est là. Donc ouais, on reprend celui-là. Y'a le V1 qui est rentré et le FPTL, ils font un feu d'appart. Hein. Ok. Ouais, du coup je disais, le PC de compagnie nous a ramené un VSAV de près, du coup, qu'ils sont allés chercher je sais pas où. Le V1 il est revenu, mais il reste en deuxième départ. Et vu dans l'état qu'il est, c'est pas moi qui vais le laver. Et également, oui, le FPTL fait un feu d'appart. Donc, MEF, on peut être engagé s'il y a des victimes. Ok, ça marche. Bon, bah, race, les gars. On va retrouver un VSAV, ça fait plaisir. Bah, soit vous le remisez, soit vous le laissez comme ça et on partira de l'autre côté. Donc, j'allais boire un café. Ouais, allez-y, café les gars, puis ensuite, bah un coup de tige, et puis race, hein, après, sport si vous voulez, puis on se retrouve pour bouffer. Hein. Ça marche, on fait ça, à tout à l'heure. Et à toutes. Allez, je vais poser la radio, moi. Allez, on va aller tranquillement au non, on va pas aller au réfectoire. Ok, très bien, alors voyons voir. Tac. Qu'est-ce qu'on a? On part V1, 13e arrondissement, boulevard Simone Veil. Victime sexe masculin renversé par une VL, PCI. Allez. Ouais les gars, donc on part 13e arrondissement, rue Simone Veil. Ok, c'est bon. Pour une, un AVP piéton VL PCI. C'est tout ce qu'on a. 13ème AVP piéton. C'est quoi? Simone Veil, ouais. Alors on bouge pas. Alors, le 13ème, Simone Veil. Alors je me rappelle plus très bien où c'est. Tu me guideras quand on arrivera vers le 13ème. Ouais. Ok, c'est bon, je vois. C'est le boulevard qui est juste au-dessus de là où t'as mis en fait. Ok, d'accord. Tu me diras parce que je suis parti vers Avenue Choisy. Ouais. En fonction de la configuration, on verra pour mettre des GHV. Ok, ça marche. Et bah, feu, donc PCI, donc MEF. Hein. J'ai pas derrière d'engagé. Alors, on verra sur place. Sur place, en fonction de la configuration, tu nous mettras des cônes. Hein. Je te dirai de toute manière. Ça marche, ouais. Golf 4 de VSAV 152 Beach qui prend départ pour un AVP piéton VL. Terminé. Et ils sont où les cônes dans ce VSAV là? Dans la porte latérale gauche normalement. Alors. Je déplace ça au pire hein, si vous voulez. Ouais, vas-y, Giro il les fera. Là tu prendras la prochaine à droite. Tu prends, prendre à 12. Tu prends la droite là. Et ensuite à gauche. Ok, et là on est dans l'avenue Simone Veil normalement. Ok. Donc il y a une VL. Là il y a une VL à gauche. Là on a une VL arrêtée. Non, ok, ouais. Valois-bas, il y a un véhicule arrêté. Tu te mets derrière. Tu te mets derrière, ouais. Donc les gars, vas-y, oula. Tu mets la rampe orange. Ouais. Vous mettez des cônes, je vais voir. Ok. Monsieur, c'est les pompiers, est-ce que vous m'entendez? Ok. Ouais les gars, la personne elle est inconsciente, donc cône rapide là, matériel de prompt secours et en avant. Ok, je prends le prompt secours. Ok. Allez monsieur c'est les pompiers là, est-ce que vous m'entendez? Ouais, on va le dégager.
Ouais, tu me... tu mets les cônes. Ouais, tu me... tu me dégages la victime, là. Tu me la mets sur le côté, là-bas. Moi, je passe un message rapide. Ok. Golf 4 de VSAV 152 pour message urgent. AVP à l'adresse indiquée. Piéton VL. Un véhicule qui fume. Et une victime en cours de bilan. Fin de message. Ok. Hop, monsieur, est-ce que vous m'entendez? Monsieur? Ouais, un balisage effectué. C'est bon. Ok. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Monsieur, serre-moi la main, ouvre les yeux. Ok, qu'est-ce qu'on a? Kiro, tu me prépares, ouais. Bavu, Aspi. Bon, par exemple, victime est inconsciente absolument, je prends les constantes. Ouais, tu me dis, est-ce que t'as un pouls? Est-ce que ça elle respire? Non, j'arrive pas à avoir de pouls pour l'instant. On... Et respiration, j'ai des gaz. Ouais, bah vas-y, on lance protocole RCP, les gars. Okay, VSAV 152, Golf 4 de VSAV 152. Une victime percutée par un véhicule léger, sans conducteur, en ACR, en cours de massage par le VSAV 152 Beach. Ok, j'ai personne d'autre là, il y a un beau panache de fumée. Est-ce que j'ai les airbags, ils ont pété? Non? Ok. Ouais, ils sont en train de masser. J'ai rien du tout. Non, j'ai rien du tout dans le véhicule. Hop. Oh, y'a personne. Vas-y, tu peux insuffler. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, si vous voulez, vous tournez les gars quand vous êtes fatigués. Pour information, l'AR, l'AR et le FPTL sont présentés. Okay. On reprend, on reprend. J'ai pas de temps. Bon les gars, vu que c'est un ACR traumatique, pas d'ECMO, le médecin arrête la RCP. Hein. La victime est déclarée Delta Charlie Delta sur zone. Ok. Golf 4 de VSAV 152. Après avoir été vu par l'AR 183 Beach, la victime est déclarée Delta Charlie Delta sur zone. OPJ prévenu se déplace. Fin de message parlé. Ok, donc on retire tout, on nettoie la zone. Ok. On met un drap sur la victime et puis on se repasse dispo dès que c'est bon pour nous. Vous avez pas de QN sur place? C'est l'OPJ prévenu se déplace, ouais. Ok, ça marche. Bon bah go. Allez-y les gars, mettez le VCL sur le côté. Okay, donc ouais, si c'est bon pour vous, on s'arrache nous. Ouais, ouais. C'est bon? Eh bah allez, ouais, go. Ouais, c'est bon, c'est bon. On finira de nettoyer et reconditionner. Ouais. On fera la désinfection du bavu, etc. après. Hop. Ouais. Golf 4 de VSAV 152 Beach qui fait retour disponible sur son CIS. Parlez. Regardez, s'éternise un peu. Hein. Ouais, bah ouais, ouais. Bah les gars, là, vous pouvez aller vous coucher. Hein. Et puis, bon, je vous le cache pas, il y a de grandes chances que ça décale. Ça marche. Bon, bah, mais allez-y, on va essayer de grappiller un peu de sommeil. Ouais, allez, bonne nuit. Bonne nuit. Allez, petit départ VSAV en pleine nuit. Manquait plus que ça. Oh là, chef, ça sort du lit. Oh bah, hé, ça dort ici, hein. Le vestiaire. Tac. Alors, 13e arrondissement, avenue d'Ivry, rue de Brun, croisement carrefour rue de Brun, chute à vélo, douleur tête. Ok. Si c'est bon pour vous, allez. Alors, feu attends, les gars. Tu m'as dit 13e, c'est ça? 13e arrondissement, avenue d'Ivry, croisement carrefour rue de Brun. Il est réveillé, Kiro, il est là? Ouais, ouais, il est là, il est cool. On prend le périphérique. Ouais, ouais, vas-y, prends, prends. J'essaie de localiser rue de Brun, rue Saint-Louis. Golf 4 de VSAV 152 Beach qui prend départ. Donc, ouais, les gars, chute à vélo, douleur tête. Okay. C'est tout ce qu'on a. Oh, Kiro, t'aurais dû voir, j'ai croisé le chef en caleçon dans les couloirs. On avait dit qu'il s'était fait réveiller par un bombardement. Mais non. C'est bon, j'ai l'adresse. Je vois où c'est. Ah mais je vois pas où on va sortir là.
Alors t'es passé par ici. Ouais bah vas-y vas-y. Sors là à droite. Ouais c'est bon du coup. À droite ouais. Alors. Vas-y tu prends à droite. Ok. Tu me mettras les gyros orange. Ah il est en plein sur la route ah, en plus. Ah y'a un mec là ouais. Ouais vas-y. On met 2-3 petits cônes. Orange, poulet orange. Monsieur bonjour. C'est les pompiers. Bonjour. Alors qu'est-ce qui vous arrive là? Je sais pas en fait, à mon avis il y a dû avoir de l'huile là, là où vous êtes garé, j'ai glissé et je me suis retrouvé bah, là au sol. En fait le problème c'est que je suis bloqué dans mon vélo. D'accord. Et j'arrive pas à me bouger en fait, je suis bloqué, quand j'essaye de me lever j'ai mon bas du dos qui me bloque en fait, je peux pas me lever. Ok ça marche, bon tu peux ranger la chaise hein, on va prendre le brancard direct. D'accord, ça fait combien de temps là que vous êtes tombé? Balisé. Bah là ça fait ouais 10-15 minutes, j'ai un témoin qui vous a appelé et qui est parti direct mais... Ok d'accord. Le vélo là vous êtes pas coincé dedans, nous on peut le retirer c'est bon? Bah vous pouvez retirer, oui vous pouvez le retirer, c'est ma jambe qui est coincée dans le cadre quoi. Alors on va essayer de le faire tranquillement. Hop. Vas-y retire-le. Attends. Golf 4 du VSAV 152 Beach qui s'est présenté à l'adresse indiquée. Un homme, la vingtaine, suite à une chute de vélo en cours de bilan par le VSAV 152 Beach, parlez. Ok. Essaye de dégager la deuxième jambe. Vas-y, oh, vas-y, tu pousses là. Ah non, c'est bon, vas-y, regarde, hop. Il est face à cheville là. Hop là, parfait. Nickel, super. Vas-y. Jambe, monsieur, qui vous fait mal. Non, c'est le bas du dos en fait. Et j'arrive pas du tout à bouger mes jambes. Ok, les gars. Ça monte au niveau du cou en fait. Alors, un lésionnel. Ensuite, okay. On pose un collier. Marche. Et déconstante. Ensuite, okay. Brancard mid. Et au chaud dans le VSAV rapidement. Ça marche. Bon, allez, go. Vas-y, un lésionnel rapide là et ensuite collier. Voir si ouais. On a juste fait des formations ou quoi que ce soit. Bah, on est bon. Je vois pas spécialement des formations, mais je vais pas trop bouger, monsieur. Vous me dites si je vous fais mal, hein, monsieur. J'essaie de pas trop vous toucher. Est-ce que vous sentez si je vous appuie là sur le bout du pied? Je sens, ouais, je sens. Vous sentez? Ok, d'accord. Si je pince là, vous sentez? Ouais, je le sens aussi. D'accord. Et sur l'autre jambe, voyons voir. Là, si j'appuie fort ici, vous sentez? Non, je sens pas ici. Non, vous sentez pas? Et là, si j'appuie là? Là, je sens. Vous sentez? Ok. Sensibilité partielle hein, quand même sur la jambe droite. Ouais, c'est celle qui était avec le vélo, bloquée avec le vélo. Ouais. Ok, ça marche. Au niveau du dos, là, de la douleur en bas du dos, qu'est-ce qu'on a? Je pourrais vous dire un 7 sur 10 hein, quand même. 7 sur 10, ok. Bon, vas-y les gars, pose d'un collier. Ouais. Tac, on fait ça. Tu mets au match à tête. Tu me dis quand t'es ok. C'est bon, je peux procéder. Je vais glisser doucement en dessous, bouge pas. Là je me décale. Voilà. Voilà, parfait. Tac, super. Ok, bon. Ensuite brancard. Ok. On le met dans le brancard. Puis au chaud dans le VSAV. Et ensuite on va se mettre sur le trottoir là pour finir le bilan. Comme ça on libère la circulation. Ok, qu'est-ce qu'on a du coup là au bilan? J'ai 98 sous air ambiant, fréquence respiratoire, donc on est à 18, mais par contre on est peu ample et régulier. Ouais. Donc j'ai un léger tirage, enfin léger bruit au. Est-ce que le collier il gêne pour respirer? Non, je vais demander, apparemment ça a l'air d'être ok. Je pense que c'est vraiment plutôt thoracique, genre on sent qu'il a du mal à vraiment. Ok, à ça marche. Par contre, pour bilan. Cardiaque, on est sur donc 73 ou régulier, bien frappé. Ok, ça et donc, marche. Monsieur est conscient, etc. Éveillé. Donc, Ok, nickel. Eh ben, on va rouler. On va rouler. Tac, super. Moi, je range juste mes affaires. Tiro, il est. Nickel. Ouais, impeccable. Bah, vas-y. Ah, c'est bon, je suis revenu un peu. Ouais, ça va, si t'as besoin, tu nous dis, hein, tu te poses. Ouais, je sais pas, j'ai mal à la tête là d'un coup.
Ouais, t'évites de nous tomber entre les pattes. Golf 4 de VSAV 152 qui transporte une personne non médicalisée sur le CH secteur. Vas-y Kuro, monte derrière. Ouais, je vais être derrière. Alors, du coup CH secteur, eh ben la pitié. Ok, ça marche, comme d'hab. Alors pitié à partir d'ici. Bah sinon, tu... non même pas, hein. ce sera Necker. On va chercher vers Necker. Ah ouais, Necker. Je vais regarder rapidement. Il est au-dessus de, du périph ouais, c'est là. Bon. C'est bon, je l'ai. Allez, feu. Coordination médicale de VSAV 156 Beach qui transporte une victime non médicalisée sur le CH secteur. Oh, j'ai un petit problème de moteur là. Ah! Non, c'est pas vrai. D'essence? Ouais, d'essence, j'ai l'impression. Il y a une station à côté là. Ah, si vraiment c'est la misère, on s'arrête à la station. Vas-y, va à la station. Non, c'est pas la misère, ça va. De quoi finir? Ah non, j'ai pas de quoi finir. Tu feras gaffe, t'as les warnings. Ouais, j'essaye d'en vrai, mais. Oh, ils déconnent les VSAV. Oh là, mais c'est pas possible, ils sont pas foutus de nous filer un truc qui roule normal. Bon, du moment qu'on arrive au centre hospitalier, pour nous c'est bon. Ouais, on va arriver au CH, mais bon. Je vais rouler doux, hein. Ouais, roule doucement. Hein. Ah, pas se foutre en l'air, hein. C'est pas une urgence vitale. Si c'était une urgence vitale, il y aurait une AR. Impeccable. J'aurais envie de faire le plein en rentrant aussi. Yes. Ah. Wow. Il galère à ce point là ? Ouais, non, je crois que là c'est vraiment. C'est vraiment le moteur. Vraiment qui... Aïe, tiens, bah il y a déjà un autre VSAV qui se présente en même temps que nous. Voilà. C'est catastrophe là. Ok, parfait. Hop là. Non, je crois qu'on a vraiment un problème de bonne vitesse. Ok, bah allez, vas-y, on descend la victime et on voit ça après. Les amis, la garde touche à sa fin. On est de retour avec l'équipage au centre de secours, là, l'équipage du V1. Avec notre victime également, parce qu'on l'a transportée un petit peu partout, alors on veut qu'elle soit là pour la fin. C'est la fin de cette petite garde, j'espère que vous avez kiffé. C'était la première garde sur 5M. Aujourd'hui, on n'était que 3, un effectif réduit pour découvrir tranquillement. On a surkiffé, qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars? C'était bien cool. Sympa, il y a des petits trucs à ajouter encore, mais bon, ça commence à être sympa. Ah franchement, ouais. N'oubliez pas, les scripts sont disponibles sur la boutique de Penguin qui sont en description. N'hésitez pas, c'est vraiment pas cher pour des scripts de ouf. Alors je vous le recommande, sachez que moi je paye mes scripts aussi, attention. Hein. Quentin, la victime, alors, on est des bons pompiers ou pas? Ah, vous êtes de très bons pompiers, je suis encore en vie, donc c'est cool. C'est le principal. Non, c'est la vie, les gars. C'est le principal. Bon bah les amis, on va se dire à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Drixiz, prenez soin de vous et ciao, bye bye.